Martin Luther a dit que même si le monde allait éclater dans 1000 morceaux la journée suivante, il continuera à planter son pommier ce jour-là. C'est une bonne motivation. Faire les choses parce que c'est le bon choix. C'est la meilleure chose à faire. Récemment, j'ai eu ici chez moi une jeune femme musulmane qui m'a posé la question, m'a dit « Mais pourquoi le monde est si égoïste et tous les croyants, n'importe leur religion, chrétiens, musulmans ou juifs, pourquoi tu dis ça ?» Elle m'a dit « Parce qu'on veut faire les bonnes choses, parce qu'on veut sauver notre vie, mais pas parce que c'est le correct, parce qu'on a crainte. » Je dis « Mais c'est pas ça. » Au moins, ce n'est pas mon cas. Si j'arrive à savoir que je vais perdre ma vie éternelle, mon salut, je continuerai quand même à faire la même chose. Parce que si la seule vie qui me reste, c'est celle que je vis maintenant, ça vaut le coup de vivre la vie en faisant le bien aux autres. Donc, n'importe les conséquences, je veux continuer à le faire.